Pas comme tout, sauve-nous, sauve-nous. Les gars, j'ai 30 minutes de pause. Je pense qu'il m'en reste même 15. Je pense qu'il me reste 15 minutes. J'ai pensé qu'il était important. La patrie ou la mort, ou la mort, ou la mort, ou la mort, ou la mort. Attendez. Les gars, regardez mes yeux, j'ai pas dormi. Le mami pi de la convention. Le mami pi, j'ai pas dormi. Là où je suis là, hein, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Après 24 heures sans sommeil, 5h30 du matin, j'étais debout. Je suis au taf. Je suis au taf. Bah oui. J'ai mis les turbos diesel. J'ai mis les moteurs turbo diesel. 3 semaines de travail non-stop. Moteur turbo diesel. Oui. The diamond. Le German Panzer, c'est de ça qu'il s'agit. Pendant que certains sont encore dans leur lit, je m'occupe d'aller passer. Sur la pause, j'ai 15 minutes. Hein. Je ne peux même pas terminer mes flacons d'avoine que je mange là. Je ne pourrais pas manger tous mes flacons d'avoine. Mais je tenais à féliciter tous les combattants. Je vais faire une vraie sortie
ce soir quand je rentre du travail. Je tenais à féliciter tous les combattants, surtout les gars du 237. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Elle dit que pas les histoires, vous dites que maintenant, tendez les antennes, tendez les oreilles. Qu'est-ce que vous entendez? Tendez les oreilles. Les bruits de la Renaissance. Pas le pas le bac badjo, pas les tchavoum. Tendez les oreilles, tendez, tendez les oreilles. Qu'est-ce que vous entendez? C'est le souffle de la Renaissance. Le souffle de la Renaissance. C'est dommage que hier soir j'étais un peu fatiguée, puis j'ai des soucis de connexion, vous savez. Mais ce soir nous allons faire, we're gonna make some noise. On va faire du bruit, du vrai bruit. On va faire le bruit. C'était trop fort, trop fort. En plein Yaoundé, à un jet de pierre. Des Tutsis. À un jet de pierre des Tutsis. Le président Kamto l'a fait. Le président Kamto l'a fait. Voilà ça. Je vous assure que la voix ne sort même pas. On va ne sort plus. Tellement j'ai crié avec les combattants. La voix ne sort plus. Mais je rentre de soirée. On va fêter ça. La convention de ça. La convention de ça. Maître Fabien Kenyé, je te salue. Et salue tous les combattants qui étaient sublimes, magnifiques, beaux et belles hier. Dans leur tenue flambant neuve. Magnifique. Tu ressentais la joie sur le visage de tout le monde. Au goût de la convention, là, c'est encore sucré dans mon cœur. Encore, c'est encore sucré. Hey, donnez-nous les postes, hein, les qui ont été élus. Donnez-nous les postes. Donnez-nous les postes. Ce soir, quand je vais faire la sortie, quand je vais faire ma sortie, j'espère que je ne serai pas trop fatiguée parce que là, je n'ai pas dormi du tout. Du tout. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée. Mais je tiens à le faire. Nkoule Kamto, le tam-tam de Kamto va résonner jusqu'à Itudi ce soir. C'est ça qui est ça. Bonjour Isabelle Membot, bonjour Malione Tiesco de Chua, bonjour. C'est ça qui est ça. C'est ça que tu dis petit comme ça. On l'a ta mère. La mère de la nation était Tokos. Elle était Tokos. Ewane Panty, thank you so much. Thank you. I work my socks off. Vous voyez que j'ai bossé dur pour que ma toute petite contribution fasse une différence pour les combattants 237. Et je tiens ici à remercier toute l'équipe Sandy Boston à Douala et à Yaoundé, hein, parce que l'équipe Sandy Boston est dorénavant. Nous avons une équipe à Bafa, nous avons une équipe à Douala, nous avons une équipe à Yaoundé. Nous voulons nous établir dans toute l'étendue du territoire camerounais. Donc les combattants qui veulent travailler avec moi, si vous êtes au 237, faites-moi un inbox. Et quand il y a un événement, vous allez nous représenter. Vous serez les représentants de la team Sandy Boston. Les combattants avec lesquels je travaille au 237, pour certains, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Ceux de Douala, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. On n'a jamais eu de soucis. 5 ans.
dans les groupes et en particulier. Les combattants de Yaoundé, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille ensemble. Oui, 3 ans. Donc, je remercie beaucoup cette petite équipe-là qui a vraiment mis les petits plats dans les grands pour vous servir l'événement tel qu'il se déroulait au palais des congrès. Ma sisto Amonie, c'est chaud sur nous, ma soeur. On va faire comment? On va faire comment, ma sisto? C'est chaud. Dans tout ça, hein, j'ai 15 minutes de pause. Hein, comme je suis en train de bavarder, là, j'ai 15 minutes. Parce que j'ai déjà bouffé les premières 15 minutes. Je ne sais pas si je vais finir ma nourriture. Ah, ça. Le président dit qu'on a dit qu'il était fantôme. Le président est venu m'a tué hier. Que voici alors le fantôme qui vous parle. Petit clin d'œil au chef de la Léqué. Ouais, le président capte-toi amusant. Le moulinet Zatanga n'y s'est cassé hier. Ils ont tout fait. Une salle qu'on a louée, on a payé. Ils choisissent le jour de la convention d'aller travailler, enfin travailler entre guillemets s'ils travaillent, hein, d'occuper la salle jusqu'en soirée. Leur plan c'était que Enéo devait couper le courant. Enéo devait faire tchac et ils allaient se moquer. Pour vous dire que quand c'est bon, c'est bon. Même les étoiles s'alignent. Tout est bon. Président Kamto, c'est la dimension. Le président Kamto, il fallait voir l'euphorie quand le président est entré. L'euphorie. Je vais saler mon uniforme. Attendez que je nettoie. Où sont les lingettes là? Tellement je suis distraite que je suis en train de me salir même. La distraction. Je suis très distraite. En tout cas, c'était comme ça pour vous faire un petit coucou et vous dire que ce soir, nous allons faire un live de jubilation. Apparemment, j'ai mis trop de lait. J'ai mis trop de lait dans les flacons d'avoine là. Je vais seulement boire ça. Amonie, je vais te communiquer mon numéro, chérie. Je vais te communiquer mon numéro. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils voulaient donner un coup de pouce à la maman qui a fait les tenues au zappé. Donc, je vais causer avec la maman. Si elle est d'accord, parce que vous savez beaucoup se protège aussi. Hein. Moi, je n'aimerais pas exposer un AP au Cameroun. Mais si elle est d'accord, on va mettre son numéro et vous pourrez lui apporter votre petit soutien parce que cette femme mérite d'être soutenue. La renaissance et amour. La renaissance et amour. J'ai vu des gestes exceptionnels pour cette convention. J'ai vu des êtres exceptionnels pour cette convention. C'est pas tout ce qui braille dans les réseaux sociaux là. Vous avez vu, j'ai disparu pendant 3 semaines. Quand je suis revenu, c'était avec les résultats concrets sur le terrain. Ce n'est pas brailler tous les jours dans les réseaux sociaux. Non. C'est au sol que ça se joue. C'est par terre que ça se joue. N'est pas dans le chavum, dans le bac bajo. C'est au sol. Des Deutsche Panzer. Le Panzer allemand. Un meuf. Hmm.
Ouais. Nous avons fait ça fort. Les combattants ont fait ça fort. C'était sublime, c'était magnifique. J'avais la chair de poule hier. J'avais la chair de poule, je vous jure. J'étais au travail. Je passais seulement tout mon temps au téléphone. Joe la conscience, Kameni, bravo. Bravo, combattant. Vraiment, bravo. Chapeau. Tu as bien performé hier. Et sur la scène, sur une scène inespérée, hein? Ça, il faut le dire, hein? Sur une scène inespérée, un artiste combattant à la convention de son parti. Chapeau, Joe la conscience, Kameni. Je sais que ça continue. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le soir qu'on va parler. Je sais que ça continue. L'équipe Sandy Boston est encore taf. On va vous faire un rapport complet ce soir. Ça, c'est juste comme ça pour vous entretenir. Mais je sais que les choses se poursuivent. Ouais. Satisfaite. Satisfaite. Contente. Je pense que ma pause est finie, hein, les gars. C'était juste un coucou vite fait. Et Sadina m'a signalé hier. Mes pages sont bloquées. Mais ce soir, on va fêter ça. On va casser du champagne ce soir. On va sabler du champagne ce soir. Ma pause est bolée. Je n'ai même pas pu finir mes céréales. Qu'est-ce qui ne donne pas? Vous m'écrivez quoi comme ça? Et ça ne donne pas. En tout cas, rendez-vous ce soir après mon boulot. Et on va manger le RDPC en morceaux détachés ce soir. On va les écraser comme ça, comme le Njang-Sang. On va écraser le RDPC ce soir. Pas s'asseoir dans les plateaux de télévision tous les jours, raconter leurs bêtises là. Oh, le parti régional. Oh, le parti des Bamileke, ils ont vu. Le parti régional qui a rempli tout un palais. Mais il fallait même prendre le stade. L'esplanade était remplie de combattants. Remplie. Parle de quoi? Ouf! Je ne vais même pas trop parler. Je suis fatiguée et puis je dois retourner. Ma pause est finie. Mais ce soir, hein, ce soir, on va faire un live de ouf. Ce soir, on fera un live de ouf. C'est crevé, les gars. Amoni, je pense que toi et moi, on finit le travail à la même heure. Moi, je finis le travail à 20h30 heure de Paris. Le temps d'arriver chez moi, il sera déjà 21h de Paris. Of course. C'est rendez-vous ce soir, 21h de Paris, sur toutes les pages Sandy Boston officielles. On va casser du champagne. On va sabler du champagne ce soir. On va sabler du champagne. Notre travail a payé. Les combattants de la diaspora, les combattants du 237. Bravo. Nous avons fait fort. Et je sais
que c'est en train de bavarder dans les chaumières au Cameroun. Dans le sérail, c'est en train de bavarder parce que ce qu'ils ont vu là. Ce qu'ils ont vu hier à Yaoundé, en plein cœur de la capitale. Ce qu'ils ont vu hier. Et ce qu'ils vont voir aujourd'hui. La marée bleue. La marée bleue. Ouf. Regarde, je m'en vais. Ma pause est bolée. Le combat, ça va me mettre dans tout genre de problèmes. Oh, vraiment. Même au travail, gars. Même au travail. On va faire comment? Kali Nonam, je vous assure, la joie peut tuer quelqu'un. La joie peut tuer quelqu'un. On se dit à ce soir, on va boîte de nuit renaissance ce soir. Je dis bien. Boîte de nuit, renaissance ce soir. C'est dimanche. Je m'en fous de ceux qui travaillent demain. On travaille tous les jours. On va fêter ça avec du champagne à la pluie ce soir. Allez les gars. Je vous aime, je vous adore. Mais je dois partir. Le boulot m'appelle. Les patients m'appellent. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous vos efforts. Merci pour votre fidélité au combat. Merci pour votre résilience. Merci pour votre amour au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il va Bama. En tout cas, on va s'occuper de ce soir. Je vais écraser tous les panélistes du RDPC là ce soir. Je vais les mélanger tous. Je me mets dans le Ndomba et puis j'écrase. J'écrase eux tous là. On va tous les mélanger. Il y a droit de réponse aujourd'hui, non? Ce sera sûrement spécial MRC. Droit de réponse aujourd'hui. Hey! Pendant que je parle de droit de réponse, hein? Envoyez les cœurs pour Guy Zogo. Ouais, notre Guy Zogo chou. Guy Zogo. À ce soir, les gars. À ce soir, on va décortiquer ce soir. Je suis un peu crevée là. À ce soir. Bisous, je vous aime, je vous adore. Et on se dit à ce soir sur toutes les pages Sandy Boston officielle pour un décryptage minutieux de la 3e convention du MRC. C'est ça qui est ça. Bisous.